dès que j'ai été gradué de l'SGUQAM, j'ai travaillé en bureau de comptable et rapidement, j'ai travaillé en évaluation d'entreprise. Nous, on était là, un bureau de taille moyenne. On travaillait beaucoup avec la PME et un de nos associés faisait des évaluations d'entreprise. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec lui et ensuite, on a créé le département d'évaluation d'entreprise au bureau et j'ai toujours continué dans ce domaine-là au niveau de la finance par la suite. En fait, les tâches en finance, là, si vous ne voulez pas vous ennuyer, que c'est toujours du nouveau à chaque jour, vous ne vous ennuierez pas. On a notre façon d'analyser les choses comme telles, sauf que c'est toujours des nouveaux projets qu'on regarde là, à chaque fois avec les membres là, de la direction de l'entreprise. On est toujours aussi en avant de la parade, donc de voir là, les nouveaux projets qui se greffent là, par rapport à ça, travailler aussi avec les hypothèses pour que les décideurs prennent les meilleures décisions possible. Les avantages de l'emploi, on est au courant de tout ce qui s'en vient là, dans l'entreprise comme telle, donc tous les nouveaux projets au niveau stratégie. Donc ça, c'est très, très intéressant et de voir la planification financière qui va avec ça. Les défis comme tels, entre autres, il faut être un bon vulgarisateur, être capable de communiquer beaucoup avec nos parties prenantes qui sont impliquées dans les divers projets. Et puis, pas avoir peur aussi de gérer là, certains risques, travailler là, avec divers scénarios, ce qu'on appelle des analyses de sensibilité. Et d'ailleurs, là, les programmes CPA à la SGUQAM au niveau rôle finance nous préparent très bien à cette fonction-là. Meilleur conseil, la curiosité. S'intéresser à tout ce qui se passe à l'intérieur de notre entreprise comme telle. On en apprend à chaque jour et ça, c'est très intéressant. Pas avoir peur de travailler avec les hypothèses. Les clients, les patrons, ils raffolent de tout ça, d'emmener différents scénarios à cet égard-là. Donc ça, c'est très important également. Et avoir du plaisir, finalement, dans ce qu'on fait. On est tellement privilégié de faire cette fonction.